Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. En 1997, 3 ans après sa formation, le groupe Louise Attaq connaît un succès fulgurant en dévoilant le titre « Je t'emmène au vent », dont les paroles continuent d'être fredonnées par de multiples générations. Invité à l'antenne de Canal+, ce jeudi 27 avril, dans un nouveau numéro d'En aparté, Gaëtan Roussel, la voix de la bande, est revenu sur le succès de cette chanson follement entraînante qui a de prime abord fait de l'ombre au répertoire du groupe. « On a traversé une petite période, nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu ça, je pense », ou une chanson qui a beaucoup résonné vous donne l'impression que les autres chansons ont un petit peu de mal à respirer, à aller jusqu'aux oreilles et au cœur des gens. En effet, avant même de tourner en boucle à la radio, « Je t'emmène au vent » a agi comme un aimant auprès du public alors encore étranger à Louise Attaq. On jouait cette chanson dans les bistrots, entre le baby foot et le FIFA, et déjà, on avait l'impression qu'elle nous aidait à aller vers les gens, ainsi détaillé le fidèle acolyte d'Alain Bashung au micro de Nathalie Lévy. Fort heureusement, le groupe également formé par Robin Fay, Alexandre Margraff et David Antonio s'est aperçu que le phénomène « Je t'emmène au vent » n'allait pas tout emporter sur son passage, très vite, ça s'est balayé quand vous voyez que les gens continuent à être avec vous et à avoir de la bienveillance, de l'envie de venir vous voir et de vous écouter. On avait envie d'expression « Je t'emmène au vent » a tout de même permis à Louise Attaq de prendre réellement corps auprès du public et de faire découvrir l'univers d'un jeune groupe qui descendrait des violents femmes, illustre bande punk et folk américaine qui s'est fait connaître dans les années 1980. Vous aviez une envie de lumière? Ainsi demandait Nathalie Lévy à son illustre invité. Et l'intéressé de répondre avec la franchise qu'on lui connaît, on avait envie d'expression. On trépignait déjà, de lumière je ne sais, mais on avait envie de monter sur une scène, on avait envie que les choses que l'on fabriquait de nos petites mains voient le jour. L'émission En aparté avec Gaëtan Roussel sera diffusée ce jeudi 27 avril dès 20h35, sur Canal+, avec Nathalie Lévy aux commandes. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, capture d'écran en aparté Canal+.